вариант из стартового состава мадридского Реала, который изменен, естественно. Но, правда, тут и достаточно тех, кому и вчера видели. На самом-то деле где-то, скажем так, процентов 60, да, сейчас будем, конечно, высчитывать. Но от того стартового состава, что вчера был, в частности, Бензема очень много отыграл и был одним из самых полезных, наверное, лучшим игроком матча против Тоттенхэма в составе Реала, и это очень показательно. Я думаю, все с этим согласятся. Был Навас, голкипер. Просто потому, что очень много было эпизодов, где он по-настоящему команду выручил. Ну, собственно, Навас сегодня на поле, Навас в стартовом составе. Давайте-ка мы уже начнем говорить о составах команд, о составе мадридского Реала. Понятно, что... Вот, кстати, посмотри, европейские команды. Нобеля Рустамян и Дмитрий Шнякин для вас эту встречу комментируют. Да, всем добрый вечер. Игра стартовала. Allez, Karim Benzema va tenter de provoquer à l'entrée de la surface de réparation le centre de Benzema. Marcelo est là à la retombée de ce ballon. Hazard. Eden Hazard, le centre d'Hazard. Il fait nerf. Alors on voit la faute hein, de Kroos. Pour les premiers mois de la saison. Et attention à cet enchaînement intéressant avec Rodriguez. Oh attention. Le Real Madrid devait se mettre en confiance face au Fenerbahçe. 5 minutes de jeu. C'est tout le contraire qui se produit. Et encore une fois, c'est parti d'un long dégagement de Navas. On va le revoir. Mais c'est surtout la passivité hein, des joueurs du Real, toujours loin du ballon. Et qui se font trop facilement surprendre. Isco. На фланге Иско. Да, вы знаете, счет мог легко стать 2-0. И если бы не Навас, еще одна атака, Навас снова на выходе играет уверенно. Здесь Марсело тоже не помог. И Навас выручает. Которую заметил Бензема. Ну и последующая передача Иско тоже классная. Еще одна. Сколько ударов, сколько ударов по воротам. Большинство в створ. И снова Навас команду выручает. Но удар носил Озан Туфан. Центральный. Бензема спиной к воротам. Иско внешней стороной стопы. И удар не получается. Роскошный розыгрыш получился. Здесь Финер действительно не был готов. Потому что там не только Винисиус, еще кто-то из мятных был на дальней штанге. Ну, сегодня... À la baguette, l'Allemand, pour tenter de permettre au Real Madrid de... En phase ascendante, mais moi je suis pas trop inquiet au vu de l'effectif. Hein, qui forcément, ce qui fait tâche, c'est surtout, attention, attention... Oh, Karim Benzema, l'intervention de la part de... Justement, Rodriguez, avec Max Cruz, Rodriguez, le centre de Rodriguez, qui alors Navas qui intervient... Bon, je vais bien combiner là, à 3. Karim Benzema, Vinicius... Vinicius qu'il était annoncé au Real Madrid et que aujourd'hui il est là et il est vraiment attendu parce que c'est un joueur de... Oh l'espace qu'il y a devant Eden Hazard. Hazard il est repris finalement le contrôle. Vinicius, ça aussi c'est un bon ballon avec Karim Benzema. Corner à suivre pour le Fener. Il s'en veut Karim Benzema. Il a un tout petit peu de réussite, il a tenté le crochet supplémentaire, on voit hein, le... Hier... Voilà la faute hein, de Nacho. Avec Isco. Le centre d'Isco. C'est contré de la tête cette fois-ci. Isco. Avec Marcelo. Le centre de Marcelo. C'est passé. Puis cette déviation. L'excellent coup franc. Très bien placé. Très bien repris aussi. Et encore une fois, c'est lui. Toujours lui. Karim Benzema, un doublé et le Real mène 2-1. Ah, et puis ça vient conforter le bon quart d'heure hein, des joueurs du Real qui avaient repris la maîtrise, qui s'étaient montrés dangereux deux ou trois fois de suite. Et là c'est sur un coup de pied arrêté hein, que Karim Benzema vient inscrire son second but. Là, on va revoir hein, l'action. Le décalage pour le Belge, Eden Hazard à l'entrée de la surface de réparation. Hazard, c'était pour Toni Kroos. Hazard. Oh Hazard, le raid de la part. Trop peu de solutions pour Marcelo. Mais il trouve la bonne
en la personne d'Eden Hazard, le centre d'Hazard. Marcelo, il semble effectuer peut-être une bonne préparation, Sébastien, parce que... Alors, d'après Fred Hermel, Chico, d'après Fred Hermel, c'est le... C'est le meilleur joueur hein, depuis le début d'un. Federico Valverde pour Karim Benzema. Karim Benzema s'est intercepté. Chamouriki. Oh, il est tout seul. Tout seul, Gary Rodriguez. Il est tout seul et il en profite avec ce ballon. C'est Nabil Dira qui est venu se faire pardonner auprès des siens, auprès de ses supporters. Et encore une fois, toujours là. La même chose, hein, côté Madrid, à la perte de balles, on a vu, hein, fixé à l'opposé pour aller de l'autre. Et avec un peu de réussite, voilà, il y a cette égalisation du Fener, c'est bien joué. Sifflé par le public de l'Allianz Arena. Pourtant, présenter les caractéristiques. Attention à ce nouveau centre pour Nabil Dira. Bon, attention, encore ce ballon. Oh attention. Amedat Mouriki, l'intervention de Keylor Navas. Encore une fois, hein, juste sur une passe plein axe hein, qui. Allez, Vinicius Junior, le décalage côté droit, c'est une position de hors-jeu qui vient sanctionner Alvaro Driozo. Saglam. Mourad Saglam, le centre. Il y avait une nouvelle fun à Nabil Dira. Elle avait déposé hein, sur la tête de Karim Benzema. Oui, le réalisateur ne s'y trompe pas en cherchant à nouveau Karim Benzema. Et c'est pour Gary Rodriguez, déjà buteur aujourd'hui. C'est le côté gauche du Fenerbahçe. Lausanne. Sur ce ballon pour Karim Benzema, il était trop juste. Le coup de sifflet. Il y avait une position de hors-jeu. Attention à cette récupération de Lucas Vázquez. Le centre de Driozola. Avec Lucas Vázquez. Le centre de Vázquez. Il est bon pour Karim Benzema. Eh bien, c'est un triplé qu'il signe là, le français. S'il y en a un qui réussit son match, c'est bien lui. Dans la lignée hein, de la meilleure saison de sa carrière, hein, la saison dernière avec. Avec le Real Madrid, Karim Benzema qui porte hein, son équipe. Troisième but hein, pour lui dans ce match. Pas le plus difficile. On voit le décalage disco. Lucas Vázquez hein, qui. Des merengues plutôt parce que les deux c'était des madrilènes. Vinicius est passé. Le centre de Vinicius pour Isco. Il y avait là l'occasion. D'accroître un petit peu l'avance justement du Real Madrid, se faire du bien. Quelle accélération encore hein, de Vinicius. Voilà ce bon ballon. Oh Marcelo, il a toujours le ballon, Marcelo. Bon, attention, le quatrième, non. Il a tenté le quadruplé, stoppé par Taille. Potuk. Ballon dans l'axe pour Ozan, la tentative d'Ozan. Oh quel bisou, c'est splendide. Ce n'est qu'un amical, mais on se régale ici à l'Allianz Arena. Il s'était déjà essayé en première période à hein, Ozan de loin. Et là, il profite hein, de petite confusion. On ne savait pas trop si le ballon était sorti. Quelques joueurs se sont arrêtés. Et là, encore une fois, on est beaucoup trop loin du porteur du ballon. Et tranquillement, Ozan, après, il faut la mettre au fond, forcément. Une bonne prise de balle. Et là, ce ballon est touché. Ah, il est un peu long ce ballon. Ah oui. Bon, attention. Tiens, justement, la main ferme. Ce n'est pas terminé. Eh bien, c'est une entrée parfaite du côté de cette équipe du Real Madrid. Mario Diaz qui rentre, qui frappe. C'est arrêté, mais qui est là derrière pour la reprendre? C'est Nacho. Nacho, hein, comme un véritable renard des surfaces hein, qui a été plus prompt à récupérer ce ballon. Il y a eu un bel arrêt hein, du gardien du Fener. Au moins on a des buts. Peut-être plus aussi d'automatisme et en même temps bah, du travail athlétique. Je pense que c'est mesuré avec Modric, Jaime Seoane. Jusqu'à la fin de cette rencontre, la bonne passe du japonais Kubo pour Lucas Vázquez.
Avec Vasquez, la frappe de Vasquez est stoppée. Mariano Diaz derrière a bien suivi. Il avait envie de le marquer son but, Mariano Diaz. L'ancien Lyonnais le fait. Il veut faire ses preuves aujourd'hui et ça se voit. Et puis c'est bien parce que finalement il avait été collectif sur l'action. Et c'est lui qui a été récompensé en suivant et en venant battre Altay à bout portant. Là, je crois que là ils ont fait le break, les meringués. Ça va leur faire du bien, même s'ils ont encaissé